Donc, comme ça, à Abidjan 2 jours, il y a des gens qui blaguent les enfants là pour sortir avec eux et leur promettre une vie meilleure et leur promettre de l'argent. C'est ça. Hein? Abidjan risqué, oh! Abidjan risqué! Eh, il y a quoi nos petits frères? Il y a quoi nos petits frères? C'est-à-dire que le véritable combat actuellement, c'est comment inculquer de bonnes valeurs à nos petits frères afin qu'ils ne se laissent pas influencer par l'argent et les bonnes choses. C'est ça. C'est ça. En tout cas, Dieu merci moi, mes petits frères là. J'essaie toujours de leur donner de bons conseils. Voilà, la vie, ce n'est pas une course et tout. Bref, aujourd'hui, je vais revenir sur l'affaire Emmanuel Eudes et puis ses amis. Ensuite, je vais parler en deuxième lieu de Bachelor. Voilà, donc voilà. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais que je vous ai manqué, vous m'avez grave manqué aussi. En fait, actuellement, je suis très occupé et tout. Et je ne pouvais vraiment pas. Bon, je pouvais sortir une vidéo, mais je me suis dit, bon, est-ce que je dois parler encore de cette affaire de Emmanuel E depuis qu'on sort? Est-ce que tu dois en parler? Est-ce que ça vaut la peine? En vrai, voilà. Finalement, j'ai décidé de le faire 7 jours après. Plus d'une semaine après, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. En fait, je sais pas, quand il y a les sujets comme ça là, envoyez-moi directement des messages. Comme ça, il sait si je dois parler ou pas. Je sais pas, vous savez à quoi. Oui, ça, mon Instagram est là. Mon Instagram est là. Bref, donc on va enchaîner. Emmanuel Eudes, apparemment, comme je l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, il y a un certain groupe de personnes, de jeunes, qui blaguent les petits là, les mineurs là. Voilà, pour sortir avec eux. Donc, ces groupes de jeunes là envoient ces mineurs là dans des résidences. Et puis, voilà, ils font des bails. Voilà. Maintenant, sauf que cette fois-ci, il y a un petit dénommé Ali. Il y a toujours une personne, son étoile est tellement. Elle s'est armée, elle dit étoile. Bon, ouais. Son étoile est tellement forte que ça crée toujours des problèmes. C'est le petit Ali là. Parce qu'apparemment, il y a un petit Ali qui est actuellement chez Emmanuel Eudes, bon, selon les spéculations, qui est actuellement chez Emmanuel Eudes, et puis sa famille le cherche partout, partout, sa mère est venue pleurer sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça, tout ça. Sur le panel, son visage, quelqu'un a tellement abusé de lui. Il a fait quoi? Il a fait quoi, Dieu? Il a fait quoi, Dieu? Ali, si tu m'entends, viens à la maison, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je t'aime, Ali. Ali, je t'aime. Ali, si tu m'entends, aide Emmanuel. Je t'en supplie, avant mon fils. Ça fait jaser la toile, ça fait jaser la toile. Il y a des gens aussi qui sont sortis pour dire que, ah, lui là-même, là, ce groupe-là, qu'il viole plein de jeunes ici, voilà. Dans tout ça là, Emmanuel Eudes, et puis, je sais pas, des autres sont retrouvés en prison. Adieu. Bon, mon appel d'Ali, franchement, je ne comprends rien. Depuis la métagogue, tout ça, il n'y a pas parlé. Il y aura la vidéo, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. On dit après des viols. Bon, on ne sait pas. Bon, je ne sais pas. Non, je vais me baser sur une vidéo pour donner mon avis. Une vidéo de quelqu'un qui est venu parler pour dire que qu'il y a un de ses petits qui a été violé par la team d'Emmanuel Eudes. Et que c'est le Ali qu'on recherche là. Le Ali qu'on recherche là. Et que c'est lui qui était une sorte de médiateur dans cette affaire de viol. Genre, c'est lui qui est lui. Bref, je vous mets là. Il y a des gens qui ont témoigné ici qui ont dit qu'ils ont leurs plaintes, mais ils ne savent pas où les trouver. Voilà, nous de bouche à oreille dans les communications, on a pu avoir leur endroit où ils s'asseyent pour pouvoir recevoir les enfants là à Yopoumoncel, mais dans une cave, ils boivent, ils achètent la nourriture et de là, ils s'en vont. Donc, c'est comme ça qu'ils sont venus récupérer. Ali est venu récupérer son ami au jardin ici et lui a dit, ah, tu vois mes habits, non, tu vois que depuis un certain temps, ça a changé, il y a un nouveau téléphone, c'est comme ça, c'est comme ça. Que où je suis à Yopougon là, on peut aller là-bas, tu vas voir si tu veux. Lui, il prend mon petit sur le côté, ils sont dans la même pièce, c'est un studio. Il prend mon petit sur le côté et puis lui dit, ah, que voilà, hein, ce qu'il te demande de faire là. Parce que le gars lui dit, il veut coucher avec lui. Et s'il couche pas avec lui, il va pas lui donner le transport pour rentrer. Donc Ali maintenant va l'encourager, va le motiver, va lui dire, ah, voilà. Et que il faut le laisser, tu vas faire, c'est pas grave, c'est qu'elle suit, il y a une première fois à tout. Le petit lui a dit, ça là c'est un truc, moi dans ma vie là, je veux jamais connaître ça. Voilà, moi je veux jamais connaître ça. Mais aujourd'hui, c'est arrivé. Voilà, donc c'est un petit encore qu'ils ont envoyé dans la résidence et tout. Et il y avait Ali et puis Emmanuel Eudes et puis je sais pas qui. Maintenant, Emmanuel Eudes voulait normalement le petit. Maintenant, le petit dit que lui n'est pas dans ça. Maintenant, Ali, qui sort de nulle part, lui dit que, ah, que ne te fais pas.
que franchement faut faire que moi-même j'ai essayé des dessins. Moi-même j'ai fait souvent, c'était bizarre, mais pas tout ça. Maintenant le petit qui dit que non, il n'est pas dans ça. Maintenant le petit qui finit par accepter. Et c'est là que l'autre a essayé les attouchements, il a insisté. Le plus petit que, ils ont pu retirer son bar, ils l'ont... Bon voilà, on va pas rentrer dans les détails. Mais le petit, contrairement à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, le petit n'a pas été ce que vous savez. Mais à un moment donné, il a cédé, il a fait. Mais le deuxième lui voulait enfoncer son mouvement, mais le petit dit, le mouvement était trop gros. Donc là, la somme, il a eu la force de se débattre. Comme ça que l'autre a fait. Et puis, le petit a fait, ils ont payé son transport. Il est rentré. Quand il est rentré, il a approché ses amis pour dire, notre moron m'a trahi, il est venu me chercher hier, voilà ce qui s'est passé, voilà. Voilà, vous l'avez filmé la vidéo, je ne comprenais pas, mais la vidéo du tonton là m'a un peu éclairé. Voilà, donc si j'ai bien compris, le petit ne voulait pas, ils ont incité, ils ont commencé à le toucher, et puis ils ont retiré son short, et puis voilà. En vrai, il y a viol. En vrai, il y a viol, parce que le petit n'était pas concentré, le petit voulait vraiment, il y a viol. Mais sur le coup, ils étaient en supériorité numérique. Donc du coup, on peut se dire que l'enfant a eu peur. L'enfant a eu peur. L'instant de suivi a fait que Fossé l'a fait. Mais quand il est sorti là, selon les dit du monsieur, c'est lui-même qui est parti dit que ses amis l'ont mis dans un flocon. Que telle personne m'a mis dans un flocon, tout ça. On sent là qu'il ne voulait pas faire, mais il se sentait obligé pour pouvoir suivre. Et là, c'est parti. C'est pas si tu dis non, c'est même pas. Ils vont prendre un couteau là-bas pour te piquer et tout. Franchement. C'est un viol. Je pense que c'est un viol. Toi, le tonton, on dit que tu es suspecté d'être dans l'affaire, d'être le grand patron de la confrérie. Voilà, que c'est toi qui envoies les petits là. Est-ce que c'est vrai? En fait, dans cette histoire, il n'y a même pas de preuve. On ne sait même pas si Emmanuel Eudes a vraiment violé les gens. C'est... Et il y a dit le mot. On ne sait même pas si Emmanuel Eudes a vraiment nommé les gens. On ne sait pas. Donc, on n'est que dans des suppositions et tout. Et surtout qu'il n'y a pas de preuve. Aux dernières nouvelles, Emmanuel Eudes a été déféré pendant 5 ans. Bon, là aussi, je n'ai pas compris. On fait un procès d'abord. Ou bien, c'est là qu'on s'est dit que bon, toi, tu te mets en prison pendant 5 ans. Oui, dans cette histoire d'Emmanuel Eudes, c'est tellement bizarre. Vous voyez, non? Il ne comprend pas, il ne sait pas. On a besoin de plus de preuves. Bref, je vais passer parce que tout est mélangé. On va passer à Bachelor. Donc, en tout cas, cet homme, on aura droit à une troisième session de Bachelor. Voilà, donc actuellement les gens se demandent qui sera le futur bachelor. Il y a plusieurs personnes qui sont citées, dont Kobina. Oh, bon, je vais mettre sa photo, lui là, il a oublié son nom. Voilà, donc en tout cas, si c'est lui là, sur moi là, dites, parlez bien. Il y a beaucoup de grands soeurs qui cherchent Marie, on va dire s'inscrire là. Ou bien, si c'est lui là, si c'est vraiment lui là, Canal Plus, venez commenter. Hi! Hein? Mais de toute façon, il le voit, il a beaucoup d'argent. Hein. Et puis, il est bien frais. Donc, il s'est venu sur moi, parlez vite. Il est inscrit, mes grands chers là-bas. Maintenant, apparemment, Emma Loès ne sera plus la présentatrice de l'émission. Que ça sera Connie Touré. Connie Touré aussi dit que non, c'est pas elle, que maintenant elle est dans la vie. Bon, pourquoi les gens même sont comme ça même? C'est-à-dire que quelqu'un se lève un beau matin, la personne lance une rumeur et puis tout le monde partage. On vérifie même pas l'information, tout le monde commence à partager. En tout cas, Emma Loès faisait quand même bien son taf d'animatrice. Même si en vrai, je l'ai toujours trouvé inutile. En vrai, cette émission de Bachelor n'a pas besoin d'animatrice. Faut pas se blaguer, faut pas se mentir. Donc, si Emma Loès est là-haut, si Emma Loès n'est pas là-haut, ils veulent donner de l'argent à quelqu'un cadeau. Sinon, en vrai, le rôle d'une animatrice, là, c'est quoi? Quand Emma Loès elle venait, elle faisait quoi? Quand Emma Loès venait là, c'est quoi même elle faisait? Bonjour les filles, ça va? Il est temps que le bachelor va choisir son élu. Si il vous donne pas de rose, c'est que ça voudra dire que vous... C'est ça Emma Loès faisait là, c'est ça. Ça là, on sait déjà. Si Emma Loès n'était pas... Oh, il y a du Canal Plus. L'argent caché d'Emma Loès, la prenez pour augmenter l'argent des filles. Caché d'Emma Loès, la prenez pour augmenter l'argent des filles. Là, c'est mieux? Tiens. Bref. Donc on passe. En tout cas, si c'est Obina, Pascal Obina, dites, mais quand on vous y fait. Voilà, cette année, un peu que j'ai vu là. J'espère que, voilà, vous avez fait encore plus que les autres années. Voilà. On se retrouve à la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. Likez la vidéo d'abord et puis abonnez-vous à mon Instagram, abonnez-vous à la chaîne aussi, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et puis voilà, on se dit à bientôt. Je ne suis pas dans les jugements de quelqu'un ou bi, quelqu'un n'est pas ou bi.
que Ruby, c'est pas bon. Moi, c'est pas, je suis juste dans, dans l'affaire de viol. Là. Dans l'affaire de où on dit que viol, parce que à cause d'argent. Là. C'est-à-dire que bon, quand la blague, les enfants là, pour les violer à cause de d'argent. Là. C'est la partie là que moi, je dis que tu. Sinon, si quelqu'un est Ruby, quelqu'un n'est pas Ruby, aïe, c'est sa vie. Moi, quoi dans cette affaire là. Bref, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Maintenant, c'est ce qui est fait. Genre, l'actualité de la semaine. Je prends plusieurs sujets, plusieurs choses qui se sont passées pendant la semaine et puis j'en fais une vidéo. Voilà, si le concept vous plaît, on se dit à bientôt. Bisous, bisous.